Salut, c'est Sam. Donc un nouveau let's play en live qu'on va faire sur le laboratoire. En fait, c'est un astéroïde qui est design. En fait, j'ai compris pourquoi il était fait. Il est design pour les speedruns. Donc salut Alicia, ça va tranquille et toi? Salut Napta. En fait, j'ai compris pourquoi le joueur a réussi les 45 succès en 300 cycles et quelques. Salut Black M, parce qu'en fait, il l'a réalisé sur cet astéroïde. Qui est en fait un astéroïde design exactement pour les speedruns. Et ça, j'en avais pas conscience jusqu'à maintenant. Et je l'ai fait, moi, de mon côté. J'ai fait un test en off sur Space Out. Et en effet, cycle 100, j'avais déjà 4 fusées. Et voilà, et tout ce qui est carnivore et tout, c'est hyper simple. Enfin, c'est hyper simple. Ça va, c'est gérable. Donc voilà. Mais, et donc voilà, et donc. Alors j'avais plutôt envie de refaire un speedrun, mais version jeu de base. Parce que les 45 succès sur le Space Out, c'est vraiment l'enfer. C'est hyper lourd. Je me suis pas encore assez entraîné pour y arriver. Alors que sur le jeu de base, je pense que ça peut être intéressant. Ça peut être faisable. On va tester ça. Donc voilà, c'est le labo qui est ici. Donc pour rappel, c'est un astéroïde à seed unique qui est en fait tourné vers la droite. Donc le biome magma est ici, on a un accès à l'espace à droite. Donc c'est un astéroïde qui est très spécifique, mais par contre sa seed est unique. Donc en fait vous pouvez apprendre par cœur toute sa structure. Mais voilà. Ah, sur Space Out tu m'entraînes. Mais le problème c'est que cycle 100, je galère après. Mais je pense que c'est faisable. Hein. Mais je voulais déjà tester sur le jeu de base. En tout cas en live. Juste pour celles et ceux qui me demandent, pour le mode travailleur rapide, c'est ici. Voilà, vous cochez ici. Par contre, pour avoir cette option, il faut avoir la console d'installer. Vous avez le tuto sur la chaîne. Hein. Ah oui, juste ce que je vais faire par contre. Voilà, oui. Ouais, les exocytes, j'ai besoin indestructible, parce que sinon c'est hyper chiant. Hein. De toute façon, elles le sont par défaut sur le jeu de base. Comme ça, c'est bien. En plus, on va tester le nouveau patch. C'est vraiment pratique, hein, le nouveau patch. Avec le fait d'avoir les moteurs de recharge dans les stockages. Déjà, ça c'est vraiment cool. Alors, 10 formes physiques. Mais moi, je vais plutôt me chercher des. Alors, perso, je me prends deux mineurs. Un tiers 1 et un tiers 2 d'emblée. Ouais, par contre, niveau stats, il est pas terrible. Ah, c'est nul. Ah, dommage, j'aurais bien aimé ça, mais en tiers 2, ce tiers 3, c'est pas inutile, mais bon. Ouais, ça va être diamant et obsidienne. Parce que tiers 1. Je vais quand même garder sous le coude, voir si je me chope un tiers 1. Parce que pour accéder au biome magma, ça me sera bien, bien utile. Aspire par la bouche, c'est un peu chiant. Mais il a quand même 8 excavations et artiste ballon, si c'est bien. Donc c'est nul niveau stats. Ça te dit, on fait l'astéroïde d'abord ensemble, chacun de son côté. Ouais, mais le mode multi, celui-là, dire, le mode multi marche pas sur Space Out. Ah bah, que des. Attends, juste on va, c'est. Le 2, c'est l'abyssalite. Ouais, j'en aurais besoin.
besoin du tier 2. Ah, chacun sa game. Ouais, je pense que c'est chelou. Ça, c'est bien. Après, la question, c'est est-ce que je prends un tier 2? Plus utile. Hein. Ça me fait chier parce que lui, il a 8. Ah bah tu verras, c'est très atypique, Nopta. C'est une expérience, c'est vraiment original. T'es pas obligé de la speedrun, hein, tu veux jouer normal. Allez, je me tâte parce qu'il a quand même. Par contre, les deux respirent par la bouche, c'est un peu chiant, mais bon. Diamant et obsidienne, c'est juste pour un truc. Ouais, mais alors c'est 8 minages qui est quand même pas mal. Ouais, je vais. Là, on va relancer. S'il avait pas le respire par la bouche, je l'aurais pris. Ah bah si t'as, te force pas, bah la cam, bah, c'est pas une obligation. Hein. Ah bah d'accord, magnifique, merci. Parfait, exactement ce que je voulais. Puis suite avec le tir 2. Nickel. Bon, on aura toujours le respire par la bouche, mais c'est pas grave, on fera avec. Et là, je vais juste prendre un chercheur. Ouais, c'est bien ça. Ça va compenser en plus les autres. Les deux respirent par la bouche, estomac sans fond, ça aide pour le succès. Ok. Alors j'ai déjà un plan de base. Hein. Ok, donc tu vois, en fait, ça pensait à ceux qui découvrent. L'astéroïde est vraiment tourné vers la droite, en fait. C'est presque un astéroïde inversé. Donc vous voyez, le biome, en fait, il est vraiment tourné vers la droite. Ça, c'est assez marrant, en fait. Et en fait, pourquoi c'est un astéroïde fait pour le speedrun? Parce qu'en fait, chaque fois, il n'y a qu'une seed, en fait. Donc en fait, vous pouvez vraiment la prendre par cœur. Je commence à savoir où sont les geysers. Les débits des geysers, c'est toujours les mêmes, vous aurez toujours les mêmes geysers. En fait, tout est toujours au même emplacement. Donc là, la petite particularité, c'est que moi, ça c'est une version. Par contre, il y a quand même une version classique et une version Space Out. Moi, j'ai beaucoup joué sur la version Space Out, il y a quelques petites différences. Donc voilà, il y aura un peu de découverte quand même. Mais j'ai déjà un peu mes marques, en tout cas. Voilà. Donc là, mon but, je vais quand même me limiter. Oui, c'est pour ça que le joueur a réussi à faire les 45 succès en The Space Out. Parce qu'en fait, il apprécie l'astéroïde. Et vraiment, elle est design pour le speedrun, en fait. T'accèdes hyper vite au biome pétrole. T'accèdes hyper vite à l'espace. T'as le portail qui est juste ici. Tu peux vraiment. Tout est fait. Tu vois, ici, ils t'ont mis un petit truc pour mettre ton eau. Tu vois, et vraiment, tout est pensé, en fait, pour aller vite, quoi, en fait. Tu vois, là, ils t'ont mis un gros slot de cuivre. C'est vraiment. Elle est vraiment faite pour ça. Donc. Alors, justement, en fait, encore une fois, gardez à l'esprit que l'astéroïde est tourné vers la droite. Donc j'ai de l'espace à droite ici, et bien sûr j'ai de l'espace en haut aussi, mais j'ai un accès à l'espace qui est juste ici. J'avais fait une découverte où j'avais dévoilé tout l'astéroïde, et je me disais, vu que j'avais pas beaucoup streamé dessus, j'avais envie de vraiment le refaire avec l'intérêt. Alors moi je joue. En me limitant avec les succès. Donc là, je peux pas faire. On ne va pas pouvoir faire de pot, déjà. Et avant le cycle 100, il faudra que je fasse carnivore, mais ça, c'est hyper simple. J'ai super renouvelable, donc je pourrais pas faire de charbon.
Attends, pourquoi j'ai... Ah oui, d'accord, ok, c'est bon. Donc pas de charbon, tant que j'ai pas niqué, fait super renouvelable. Le cavor, pas de peau. Et carnivore, bouffer 400 000 calories de viande d'ici le cycle 100. Voilà, en version basique, il y a moins de succès, mais il y en a quand même pas mal. Et voilà. Alors, moi, l'idée, c'est que je vais essayer. Alors, déjà, je vais faire mes plannings, tiens. Je vais aller avoir un dupliquant. Hein. Ouais, alors déjà, on peut faire en effet les. Les prios. Elle a un peu d'opéré, elle, ok. Les prios. Ça, on peut mettre aussi. Vu qu'ils ont. Des compétences, on peut leur mettre ça pour les repérer. On peut faire les agendas. Comme ça, ce sera fait. Parce que là, à chaque portage, je prends le dupliquant. Mon but, c'est d'avoir le plus rapidement possible 20 dupliquants. Puisque pour carnivore, c'est ultra simple comme succès en fait. Surtout avec les ratopiés. Très schématiquement, pour valider carnivore, il y a juste trois chiffres à retenir. 20 dupliquants, 20 ratopiés et 10 cycles. Et non, attends, 20 cycles? Attends. Non, pas 20 cycles. En fait, c'est 3-20. Parce qu'en fait, vous bouffez 400 000, vous bouffez avec 20 dupliquants, vous décalquez 20 000 calories par cycle, fois 20 cycles, ça vous fait le succès. On va partir sur quoi? Sur du 4. Salut Chrysotep. Voilà, comme ça les agendas seront faits, on sera moins chier. Alors si vraiment tu veux speedrun, tu réduis à mort le sommeil, je crois qu'il y en a même qui désactive. Ouais, enfin, je crois qu'il y en a qui cut carrément le sommeil. 1, 2, 3, 4, on va en faire 5. On fera des plannings de 4. Oui, c'est pour ça qu'Elisa, j'ai dit que c'est pour le speedrun, tu peux pas la changer la seed. Donc comme ça, tu peux la prendre par cœur. 1, 2, 3, 4, 5. C'est ça que j'avais pas compris au début. Je pensais que c'était juste un truc fun avec un astéroïde tourné, mais en fait, il y a vraiment un vrai truc derrière. Donc ça, nos toilettes, on va les caser. On va peut-être d'emblée. Ouais, mais de toute façon, je prévois de faire 4 WC, c'est pas grave. Avec 20 du piquant, de toute façon, ce sera le minimum. Non, je pense que je vais faire un 2. Là, on se fait d'emblée l'accès ici. Faut toujours que les dupliquants soient occupés, c'est important. Voilà. Et alors, là, comme ça, on mettra l'eau ici. Vous voyez, la map est vraiment conçue pour le speedrun. Il y a d'autres astéroïdes. Alors, sur le Space Out, oui, mais c'est pareil, c'est toujours la même chose. Là,
toute façon, pour le démarrage, on va se mettre là. Les occuper. Là, il faudra que je cut aussi. C'est génial, hein, les. Vous allez voir, je vais vous montrer un truc avec le, ça, c'est avec le nouveau patch. Dès que ma salle est fermée, je vais vous montrer un truc qui est hallucinant. Ah mais non, je pourrais pas. Ah oui, non, il me faudra un éleveur. Maintenant, vous voyez, en fait, on peut déplacer les créatures. Vous avez juste à cliquer sur déplacer. Plus besoin de flèches. Et par contre, il faudra un éleveur. Je crois pas que ça marche, un éleveur. Bon, sûr, c'est bon, elle s'est bien mise. Mais quand vous avez un éleveur, vous êtes trop fait, c'est abusé. Hein. Oui, elle est coincée, c'est pas grave. Bah tiens, tu vas miner pendant que t'es coincé. Ok, alors. Il aurait pu être bon de. Ouais, pour valider, je crois pas que j'aurai le temps de faire un succès alors. Cycle 1. Après, c'est pas grave ici, mais je peux le faire. Ouais, je le ferai après, c'est pas grave. Alors, vous allez voir, j'ai une architecture assez intéressante qui est assez compacte. Alors, je pense que, remarque, j'ai pas encore la compétence. Salut Gudule. Je vais rush les exosuites, hein, ça c'est sûr. Ah, un truc que j'ai découvert sur ma dernière run, c'est que ça, il n'y avait pas besoin des mécatroniques pour les construire. C'est abusé, hein. Et d'ailleurs, avec le nouveau patch, maintenant, vous pouvez mettre ça dans votre salle à manger. Ça, c'est à savoir. Moi, j'aurais pas la place, que je fais un truc assez compact, mais voilà, c'est à savoir. Je pense qu'on va juste. C'est vrai qu'on est sur le jeu de base, donc il y a très peu de recherche par rapport à Space Out. Je pense que je vais directement aller chercher le super PC, comme ça ce sera fait. Ouais, ça c'est vraiment cool. Et là c'est bon, hein, le patch a été appliqué. Hein. Ah bah j'aurais presque. Non, ah non, presque. J'avais presque eu le temps de faire des chambres, mais. Enfin... Ah ouais, c'est bon, le patch est appliqué là. Alors, alors, attends, je vais reprendre mon petit schéma là. On va commencer à prendre nos marques. Alors là, je vais mettre le super PC comme d'hab. 2, 3. De cuve. Ouais, attends, faut que je fasse gaffe. Peut-être, non, plutôt, je vais plutôt regarder plutôt à droite.
À gauche, je veux dire. À gauche, donc j'avais ça. D'ailleurs, la roue, j'ai mal placé là. C'est un stockage que j'aurais dû mettre. Stockage. Là, je suis à 10. Tu. Ok, mon échelle va être juste là, normalement. Là, j'ai 9. Attends, 9, 10 et 11 à l'échelle. Alors l'échelle serait en théorie là. Non, et en fait, je vais la mettre. On va la prévoir là, l'échelle. Comme ça, j'aurai une barre de pompiers. J'ai refait des tests, hein. Faut surtout pas miner l'abyssalite en fait. Hein. Donc voilà, mon échelle va être là. En dessous, on va d'emblée aller chercher là. On va faire de la place pour les chambres. J'aime assez, vous allez voir, j'ai une architecture assez compacte avec exosuite, sortie exosuite. T'as même si j'ai Endol, nous font chier les lucioles. Ok, recherche terminée. Enfin, c'est que le premier tiers. Ouais, attends, là j'ai deux. Ouais. Attends, en fait, je suis con. Il y a un truc que j'ai mal fait là. Là, il faut que je stocke la terre. Parce que tu réduis sa masse par deux. Toute matière qui est minée, tu réduis sa masse par deux. Et donc, si tu réduis sa masse par deux, ça réduit l'oxygène produit. Marco était pas d'accord. Moi, j'ai fait un test. Et j'ai bien obtenu que la moitié de du volume que j'avais. C'est assez bizarre. Alors ça, c'est mon échelle définitive. Pour l'instant, on va la faire en grès. Donc là, on a combien? Si là, je considère que c'est la part de pompier. Dalle. Ah oui, tout bloc que tu mines, sa masse est divisée par deux. Là j'ai 10. Ça me paraît loin en fait. 10. Bon, après, vous avez faim, c'est pas centré, parfaitement centré, c'est pas très grave. Ça sent très bien ici. Ah ouais, tout ce qui est miné, tu perds la masse par deux. C'est pour ça que dans le biome de glace, idéalement, en fait. Ah ouais, ça c'est génial, ça c'est le nouveau patch. En plus, c'est bien, le stream permet de refaire un peu une preview du patch. Là, vous voyez, avant on se galérait, on se souvenait plus où était la terre. La terre, donc c'est pour les recherches. Et ben là, je tape terre. Tac, et voilà. Ça c'est magique. Hein. Enfin, ils ont rajouté ça. Voilà. Salut, Julien. Ok, on a fini les recherches, on va
tout de suite, je pense. Après la cuisine. Là, j'ai besoin de rien. Ça, j'avais pas besoin dans l'immédiateté. Les pots, je peux pas les utiliser. J'ai pas d'éleveur. En même temps, j'ai pas de duplicant. Je pourrais presque débloquer, en fait, au final, un peu les. Je vais plutôt débloquer les décos, en fait. Hein. Ouais. On va aller chercher les décos. Remarque, d'ailleurs, on va être bloqué de toute façon. Donc vous voyez les créatures, on peut les déplacer. Hein. Bon, il faudra un éleveur, mais on peut les déplacer. Il n'y a pas besoin de faire capturer machin ou d'avoir une flèche, et ça marche avec les créatures volantes. En fait, je crois que je vais faire une double échelle, une temporaire et une. Celle-ci, on sera trop proche. Ou alors je prends celle-ci. 9. Ah si, moi je prends celle-ci et je décale plus à droite. On sera peut-être moins chier. Ouais, en réalité, je vais prendre celle-ci. Je vais m'arranger sur la droite. D'abord je mine. Et après on va construire. Oh putain. Ah oui, c'est ça l'eau ça. Alors. Ah oui. Ça c'est original. Je vais essayer de le mettre dans une zone d'oxygène déjà. Voilà, où il peut respirer, c'est déjà ça. Bon, après, ça va, il a des calories sur lui, ça va, c'est pas dramatique. Eh ben, dis donc, sympa le. Putain, c'est saoulant de ces lucioles là. Alors, niveau hauteur, alors là j'ai une architecture un peu atypique. Alors, je vais juste prendre mes repères ici. Faire comme ça je vais pouvoir miner. Par contre, ouais, il va falloir qu'on rush l'échelle là, parce que l'autre il va pas tenir 3 siècles en bas là. C'est bien, il nous met de l'eau polluée en bas, c'est génial. Au moins il a de l'oxygène, sinon il était mal. Hein. Bon, on remarque comme ça. Au moins l'échelle va être construite plus vite que prévu. Ah ouais, faut que je remette la roue d'ailleurs. Sur le niveau recherche, c'est mort. Voilà, comme ça lui fait de l'oxygène.
Ah, c'est un concept, hein. Remarque, c'est la première fois que je l'avais fait cet astéroïde, j'avais fait tomber un duplicant en bas de la carte pour tout dévoiler. Dévoiler une grande partie. Ah, remarque, l'avantage, c'est qu'on a fait l'échelle assez vite, c'est cool. Savoir, on a évité le drame. Voilà, je vais essayer de désenclaver ici. Voilà, comme d'hab, il faut bien désenclaver. Comme ça, on n'a pas les ressources sur le sol. À chaque duplicant, je le prends. Oh, on se cuisine, oui. Clairement, là, on a de la chance. Il n'est pas constructif, mais c'est pas gravissime. Ouais, clairement, on va prendre Ada. On va la mettre en cuistot. Bonsoir, Jérém. On va peut-être d'emblée la mettre là-haut. Ouais, le temps que je set up. On va lui faire un mini setup pour l'instant ici. Ça, là, on aura bien nettoyé ici. Ah bah génial. Bah oui, tu m'étonnes, c'est que le 900, on est encore plein de trucs à faire. Tu m'étonnes. Moi, ça me fait chier sur l'autre partie, elle rame trop là, ma partie avec les succès. C'est pour ça que j'ai un peu la flemme de la continuer là parce que elle rame à fond, c'est un peu chiant. Ouais, t'inquiète pas, je sais où ils sont les geysers. T'inquiète. Il y a un geyser d'eau ici. En fait, le problème de cette map, là où j'ai coincé, c'est au cycle 100. Il y a des gros soucis d'eau, c'est tous les geysers s'éteignent. Donc il faudrait que j'essaie de les déverrouiller assez vite, je pense. Voilà, on va lancer ça. Donc ça va me permettre de faire le cavor. Il me faut 4 mushbars. Là pour le coup, ce serait intéressant de quand même. Là, vu que j'ai un cuistot, on va aller débloquer vite fait la cuisine d'abord. On va refinir ça. Ouais, ça, ou peut-être que trop d'élevage aussi, je sais pas. Ouais. Là, comme ça le chercheur il va pouvoir faire ses recherches. Et oui, je lui mets sa terre juste à côté. Comme ça il peut vraiment enchaîner les recherches. Ah bah cool, nickel. GG. Bon là pour l'instant il n'y a pas d'urgence à aller faire ça. J'ai mon cours, bah génial.
Alors. Ok, super. Le truc du pétrole, l'accès au biome pétrole, ultra simple, c'est juste à côté. Donc là, on mettra quand même une barre de pompiers. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Donc là, il me faut 9 slots pour les exosuites. Parce que là, j'aurai 8 duplicants. 9. À 10, on va mettre une porte. Ah bah cet astéroïde, déjà l'acide est unique et en fait elle est tournée vers la droite. Donc c'est vraiment un astéroïde fait pour le speedrun parce que tu peux l'apprendre par cœur en fait. Les débits des geysers sont toujours les mêmes. C'est toujours au même emplacement. Donc t'as toujours cette flaque ici, tout est toujours identique. Donc en fait le principe tu l'apprends par cœur et tu te fais ta run optimisée. Et en plus elle est tournée, tu vois, on regarde les biomes. Tu vois, on voit que l'astéroïde est tourné à droite, quoi, en fait. Donc j'ai un accès à l'espace à droite. J'ai le biome pétrole qui est juste à côté. Ouais, c'est ça, ouais. Alors, ok. On va revenir sur les... ici, voilà. On fera aussi un accès assez rapide en bas là, pour que je fasse ma cuisine. Alors la cuisine, on va pareil reprendre les ampères. Tac, tac. Ce sera là et ce sera pas mal, ok. Voilà, tout ça, on va l'éclater. C'est pour ça que le joueur a réussi à le faire en 300 cycles. Le speedrun. Il succède. En fait, il a appris la map par cœur. Et moi, je te dis, je l'ai fait. Lesquels je mets? J'aime bien les deux. Alors c'est con, j'ai pas de granit. Attends, on va aller chercher du granit quand même. Ouais, moi cycle 80, j'avais 4 fusées déjà. J'avais fini carnivore, j'avais fini... J'avais de l'acier, j'avais du plastique. Ouais, les skins sont cool. Ouais, je crois que je vais rester là-dessus. Alors, là, faut que je décale un peu. Là, comme ça, vous allez voir, je vais pouvoir mettre 8 lits dans un espace assez, assez restreint. En conservant le bonus. Alors bien sûr là le but n'est évidemment pas d'avoir le bonus maximal. Du granit encore. De la compétence. Ah mais attends, ça serait bien que je le cut.
Bonsoir, Flo-Flo. Voilà. Et comme ça, là, je mettrai les exosuites ici. Comme ça, ils ont une sortie d'exosuite d'emblée. Ouais, c'est plus compact. Bah là, je mets 8 lits, en fait, tu vois. Et ça me permet, comme ça, tu vois, c'est un étage pas trop large, d'avoir 8 lits et des exosuites. Mais par contre, ça me prive du bonus maximal, mais bon, là, c'est pas le but. Les autres lits. Ah oui, alors le problème des lits, des fusées, c'est que. Alors déjà, ils sont limités à Space Out. Et quand bien même tu runs sur Space Out, il faut du métal raffiné pour les faire. Donc je l'ai envisagé, mais au final, tu gagnes pas beaucoup plus de place. Tu gagnes un petit peu de place, mais pas énormément. Pour un coût qui est quand même assez élevé. Oh, les échelles, pour l'instant, je vais pas les faire, c'est forcément. Voilà, là, comme ça, ça me permet de définir mon autre échelle. Salut, Galouane. Mais oui, si tu veux faire de l'ultra compact, oui, c'est clairement ce qu'il faut faire. Typiquement, sur la machine à rêve, ça peut être pas mal. Sur un setup de machine à rêve, ouais, ça peut s'envisager. Là, je prends tous les dupes, machinerie, c'est magnifique. Puis, il est pas mal aussi. Hein. Tier 3, on aurait 3 tiers de minage. Ah, c'est hésitant. En même temps, machinerie, c'est utile pour pédaler. En plus, il est super productif. Bon, elle a une bonne stat, on va prendre Lisbeth. Voilà. Alors, attends. Ah oui, c'est vrai que ça c'est mieux. Vu qu'on n'est pas sur Space Out, on n'a pas 5 points à investir. Je pense que je vais commencer son exosuite à Mima en fait. Ouais, on va commencer son exosuite. Pareil. Ah, ou alors Burt, je vais lui mettre le tier 3 à Burt pour le coup. Comme ça, on aura les 3 tiers. Et après, on lui commencera les exosuites. Je sais pas pourquoi ils ont pas leur chapeau d'ailleurs, c'est bizarre. Ok, ah oui, ça c'est quand on a le tier 3, ok. Alors, Prio. On va lui mettre de l'opérer et du nettoyer. Plutôt d'abord du nettoyer. Agenda. On est à 5. Il faut Lisbeth. Je la switch ici. Les chambres, ils ont du mal à les faire. Il me faudra un constructeur. Ça, c'est un skin que j'ai débloqué récemment.
On va leur mettre. Ah, faut que je leur mette de l'oxygène à sa fin. D'oxygène ici. Et qu'on se passe parce qu'en fait il galère à respirer. Ah, il manque un petit architecte là. Ça va aller mieux. Ok. Là, je vais mettre ma salle à manger ici. Ouais, ça, tout de suite, ça va mieux. Hein. Dès que là, je remets des exosuites. Ouais, c'est bizarre, hein. Il travaille mieux en respirant. Ouais, on va carrément aller chercher ça. Ça pourrait m'aider pour le minage. Parce que ouais, comme je disais, pour celles et ceux qui arrivent, j'ai découvert récemment on peut le construire ça sans mécatronique. Pour désenclaver, ça peut être pas mal. Alors juste le bras mineur, pas le bras ramasseur, mais le bras mineur est constructible sans mécatronique. Super. On va passer par là, ça je vais le faire après ça. Il ira plus vite vu que le granit est à droite.
On ira plus vite par là, je pense. Mais je vous le conseille, cet astéroïde, il est vraiment sympa à jouer. Hein. Mais en fait, ouais, l'intérêt, c'est vraiment le speedrun, quoi. Enfin, de l'apprendre par cœur et de speedrunner comme un porc. Il est vraiment design pour ça, en fait. C'est ça la finalité du truc. Ils veulent pas y construire ces chambres. Là, je vais laisser un petit emplacement pour une cuve. J'ai une astuce qui est pas mal. En fait, je mets une cuve collée à ça, une cuve d'eau, je remplis la cuve, et je la casse, et comme ça, ça me fait des bouteilles de 5 tonnes d'eau à côté de du super ordinateur qui a besoin d'eau. Ça limite les allers-retours. Vous pouvez faire ça aussi à côté du hachoir aussi, c'est pas mal. Ok, on commence à avoir des lits. J'hésite à... Ah, vu comme... Non, il galère trop avec l'oison. Je les mettrai plus tard parce qu'il galère trop là à construire. On n'a pas encore assez de duplicants pour bien avoir une grosse force de grosse force de frappe. Ces dalles là ici, je les patcherai après avec. Une dalle percée pour faire fuir le CO2. Ok. Par contre, en faisant ça, ça va bloquer l'étage. Pour l'instant, on va faire comme ça, je pense. Allez, un autre succès. Clairement, cet astéroïde, les 45 succès de Space Out, vous pouvez les faire en 300-350 cycles. En optimisant votre run, c'est clairement faisable. Là, je comprends comment le joueur a fait, en fait. Là, ça. Voilà, on va prendre un dupe en architecte, ce serait bien. Élevage, ah, attends, ah non, dommage. Compétent, ingénierie, compétence tier 2 en ingénierie, mais 4... ouais, mais c'est en ingénierie électrique. Cet élevage, ouais, c'est pas grand rapport. Lefto, bras en mousse, bof. J'aurais plutôt voulu Après, il a de l'élevage.
Ça pourrait permettre de gérer un peu les créatures. Compétent en ingénierie, c'est pas très utile. Enfin, pas dans son archétype. Le lève-tout est pas mal. Bon, en fait, son bras mousse, il est annulé par ça. Ah, lui, en fait, il a rien à part son lève-tout. Il a juste 20% en construction, en fait. Mais j'aurais quand même plutôt besoin d'un architecte, alors. Ouais, on va prendre lui. En mode architecte. Va le mettre là. Ça, c'est bon et compétent. On va lui mettre un peu d'architecture. Voilà, histoire de pouvoir avancer un peu sur la construction, puisque là on rame un peu. Enfin, c'était pour vider automatiquement le délestage des toilettes. Ah ouais. Fait, pour l'instant, vu que j'ai pas les exosuites et vu que j'ai pas les trucs percés, on va faire comme ça. Comme ça, on aura double accès. Quand j'aurai les exosuites, là, je voudrais que ce soit fermé pour qu'ils passent par là. Mais là, pour l'instant, comme ça, on va être bien. Comme ça fait circuler les gaz en plus. Oui, là, on est fait en oxygène, on est un peu juste. C'est bon, ils ont fait le ménage d'emblée. Ça, par contre, c'est important. Ah oui, avec une vanne d'arrêt en sortie, en entrée dans le chlore, ouais, je vois le délire. Alors, en mécatronique, j'aurais pas tout de suite. On peut toujours prendre ça. Ah putain, ça fait bizarre de pas avoir de tier 3, putain. Vas-y, on va se finir le raffinage. Là, j'aurais presque envie de me mettre un.
petit oxygénateur ici. Pour un peu brasser le CO2. Voilà, et là comme ça vous allez voir ma cuisine. Ça va soulager un peu l'oxygénation. On a du granit. Qui n'est plus accessible. Alors, pour les... pour la salle à manger... Pareil, je fais un truc assez compact. Je vais compacter 16 duplicants. Qu'est-ce que je fais? Ouais, pour l'instant, on va mettre des portes. Voilà, canne jup ici. Je mets quand même des échelles là. Là, voilà, je mets deux trucs. Pour l'instant, ce sera ça. Là, comme ça on arrive à paquer 16 dupes. Alors, et là vous voyez en dessous, bah, je répète cette chambre, et là comme ça dans ce petit petit rectangle, et eh bien j'ai 16 duplicants qui sont stackés dans cette zone. J'ai amassé ce petit schéma de base. C'est pas le plus optimisé, mais il est pas mal. Ah bah ouais, on galère déjà sur l'eau. Ah ouais, je pense qu'on va aller directement
Les chalons s'en fichent, de toute façon ils y passent pas leur vie. Et là tu vois déjà cycle 12, ouais. Vraiment que je rush en bas là. Faut que j'aille voir. Voyez, vu que la carte c'est toujours la même, je sais qu'en bas à droite j'ai un geyser. Il faut que je le débouche le plus vite possible en fait. Pour qu'il puisse produire. Toujours penser à attribuer au point de compétence. Le métal raffiné, on le fera après. On va rush ça, tant pis pour les pour la salle à manger. Ouais, donc ça c'est prêt, ça c'est normal hein. Qu'on vide le. Comme ça vous voyez, on vide d'abord ce petit bassin. Et ainsi ça nous libère l'architecture. Le geyser il est par là. Onze force, c'est bien ça. 11 constructions, c'est bien aussi. Il y en a deux qui sont bien là. Non, après j'ai besoin. Non, j'ai besoin d'un livreur là. C'est à écrire sur l'eau. On va les pomper là d'un temps. C'est bien, au moins dans les chambres. On est déjà à 7 duplicants. On va pouvoir assez vite faire un deuxième jeu de chambre. Alors lui, il faut que je lui fasse un accès. Bonsoir Bobby. Ah, les recherches c'est quand même beaucoup plus simple que sur Space Out. Ah, et puis en plus ça va me permettre de débloquer les Draco. Parce que je voudrais bien débloquer les exosuites assez rapidement à la partie. Non, pas à ma connaissance, dommage, ils n'ont pas changé le nombre de boutons par salle. Voilà, le geyser est juste là. On va le décapsuler, comme ça il va pouvoir produire.
Salut Benjamin. Alors on va aller chercher ça. Ça, on va, je vais récupérer, ça nous fera de la déco. Après, je vais libérer le Draco, son fiche hein, du chlore. En fait, vraiment, cette map, c'est vraiment une map que vous apprenez par cœur, quoi, en fait. C'est assez drôle. À la limite, je pourrais presque aller... En fait, je casserai là, ça, ça fera le bassin. T'inquiète pas, bientôt, t'auras plus froid, t'auras plus chaud. La strat change quand même pas mal entre Space Out et le jeu de base. Là, typiquement sur Space Out, moi je vais rusher les plantes différentes sur cet astéroïde. Comme ça, je me fais les recharger tier 3 hyper vite. Ah oui, les œufs dans le bac de stockage, oui. Alors en plus ça va leur faire de l'oxygène pollué, dès qu'il arrive, c'est un petit peu loin d'accès, mais dès qu'ils vont décapsuler le geyser, ça va être bon. Voyez voilà, faut que je débloque le plus tôt possible. Parce qu'il a une période de dormance qui est de 50 cycles. Donc si vous voulez rusher, c'est un peu chiant, voilà. Là, comme ça, ça me fait de... ça va me faire de l'oxygène pollué. Et surtout on le met en production. Donc on peut en plus un geyser d'eau froide. Donc c'est toujours le même geyser. C'est pour ça que c'est une map faite pour le speedrun. Vous pouvez vraiment apprendre tout par cœur en fait. Sa localisation, les plantes. Vous savez exactement combien vous avez de plantes. Voilà, comme ça, ça lui fait un... On va faire ça et on va lui déloquer en dessous. Voilà, comme ça, lui, il est mis en prod et j'en ai un autre là-haut. On va mettre en production aussi. Ça, je vais y faire en grès pour l'instant, c'est pas très grave. C'est pas un lieu où ils vont rester longtemps. Les rats aux pieds, alors le lait nourrit pas hein, par contre. Cool, on a déjà un premier draco. Les autres ils sont là. Ah, je voudrais pas que l'eau polluée tombe. En bas, on passera par là et on va les déloquer. Ça augmente leur bonus de reproduction. Ah oui, en effet. Oui, là, il y a sûrement un truc à faire avec le lait, ouais, en effet. Ouais. En effet, à voir. Ouais. Mais de toute façon, après, les rats aux pieds, tu sais, tu peux juste les... Une fois que t'as la population définie, tu les renouvelles un pour un. Tu viens me flinguer ta partie pour carnivore, donc on va essayer d'arrêter. Ah mais pour carnivore, c'est 20, il faut tuer 20 rats aux pieds avec 20 duplicants et on voit aussi que les effets. Mais en effet, la transition après les rats aux pieds, ça c'est un peu casse-gueule.
C'est aussi ce qui m'a posé problème sur ma run de Space Out. Sur ma run que j'ai fait en off sur cet astéroïde. En effet, ouais, la transition n'est pas simple. Voilà, comme ça, il aura de la place pour s'exprimer. Ouais, mais je pense que c'est trop lourd le lait, plus. Il vaut mieux faire ta transition avec justement des fleurs velues, moi c'est ce que j'ai fait. Il faudrait tout être canalisé aussi. Bon, vas-y, pendant qu'on est là, ouais, en plus ça me débloque ça là-haut. Les gros câbles. Ouais, ça c'est bien. On va faire ça. Alors, minage. Non, on va aller chercher l'exosuite avec elle. Lui, c'est mon ingénieur. Donc, on veut du mécatronique. Bon app, Jérémy. Ça commence à prendre forme, ça on va le désactiver. En fait, toi, ouais, tu peux transitionner sur les fleurs velues et les grêles. Je fais un petit speedfun sur l'astéroïde Labo. C'est un astéroïde fait pour le speedrun en fait. Alors, à construction, oui, je dirais bien, ouais. Encore un respire par la bouche, putain, j'ai que ça. Ouais, mais je vais me prendre ça, il me faut un deuxième. Alors, bah lui, on va commencer. L'exosuite. Et elle, on va la mettre constructeur. Donc c'est l'ERA. Qui va aller là, voilà. On est déjà à 8. Comment ça, on n'a plus d'algues? Ouais, ça. Alors voilà, là. Normalement, je colle un peu ça. Ça fait un peu serré, mais bon. Ou alors, je décale d'un quand même. Je n'ai pas besoin de mettre de porte, je pourrais mettre les congélateurs. Là, je me rajouterai des mush bars.
Ah, donc je débloque celui-ci. Ah, ça permet de le mettre en production aussi. Et par là-haut aussi, j'en ai un. Donc ouais, vous voyez, l'astéroïde est tourné en fait sur le côté. Donc les biomes sont tournés sur le côté. Pas tous, mais la plupart. Enfin, si tous, mis à part quelques exceptions qu'ils n'ont pas pu tourner, mais sinon tout est tourné sur la droite. Ce qui aurait été fun, c'est de faire tourner tout l'astéroïde comme là sur le site, ça aurait été assez drôle. Mais le moteur de jeu ne le permet pas. Ouais, je pense qu'on va les trahir là-haut. On va passer par le dessus. Ah, en plus c'est parfait, j'ai un Draco encore. Voilà, là, comme ça on a un bon slot de polluer. Ça c'est chiant qu'ils aient pas encore patché. Le fait de pouvoir construire sur les plantes. C'est que 200, on va se débloquer ça là. Je vais me faire un bras automineur. La calorie, ça commence à être serré. Pour l'instant, j'ai pas les exosuites, donc on va se mettre là. On remarque c'est 60. Ouais, non, je vais le mettre là plutôt. Faire comme ça. Yes, alors normalement, voilà, on peut faire le bras automineur. Vous voyez, il n'y a pas besoin de mécatronique. Ça, c'est bon à savoir. Si vous avez beaucoup de zones à miner au début. Ah merde, j'ai l'hydrogène qui m'emmerde. Switcher ici. Ça,
ça, on va le déglinguer. Voilà, vous voyez, ça commence à prendre forme. Voilà, et donc le bras, vous voyez, il est bien construit. Sans avoir de mécatronique. Voilà, et là j'ai mon cuistot. Vous voyez, l'architecture est pas mal, parce que comme ça j'ai la bouffe juste à côté de la cuisine. Je préfère fermer laisser les portes, ça permet de maintenir les lucioles. C'est relou ça. Ouais, il va falloir que j'augmente mes bush bars. Ok, voilà, comme ça lui il m'aide aussi à miner. On va désenclaver toute la zone là. Ah oui merde, ah putain je suis trop con. J'ai désactivé le portail, ça c'est pas bien. Ok, alors les toilettes. Ok, ça enchaîne les succès. Là, le but, c'est de faire tous les succès. Hein. Je pense peut-être cycle 200. J'aurais terminé, je pense. Vas-y, on va y faire franco, ça. Ok, je crois que c'est bon, l'hydrogène s'est barré. Pas tout à fait. C'est chiant, ça nique les plantes.
toujours le but de faire, vous voyez, on fait tomber les ressources. Comme ça, on a moins de bordel sur le sol. Bon, même si là, ça aurait été éliminé ici, mais bon. Au moins, on va libérer ici. Il a nettoyé la zone, lui, c'est bon. Peut-être le faire bosser un peu là-haut, plutôt. Ah ouais, non, ça va. Ça peut pas le faire, là. Science, médecine, créativité, bof. Ah, narcoleptique, c'est un peu chiant. Et lui, il est vraiment pas terrible, un peu le coup. On marque l'autre non plus. Et narcolytique, c'est chiant. Moi, je prends lui, je pense, en constructeur aussi. Ok, c'est bon, on a purgé l'hydrogène. On peut rajouter ça. Là, il faut que je speed pour fermer. Attends, on va juste déglinguer ça. Pour rajouter mes mush bars. Sur le niveau calorie, on est vraiment tendu là. Je mettrai un bras ici, là je mettrai le stockage. Non, j'aurais pu décaler. Non, attends, je vais décaler d'une case. Ah oui, mais j'aurais plus accès au stockage. Ah, si je veux laisser 3 quand même. On va laisser 3. Ok, là-haut, on continue gentiment. Ah bah en fait c'est bon, ça va ouvrir chez le ratoupier, chez le draco. On va passer là. Comme ça, l'opolu, j'ai fait tomber là. Et vous voyez, là ça me fait, ouais, comme ça, tout ça d'eau.
de stacker. Donc pour 20 duplicants, il faut prévoir 4 mesh bars. Aussi faire ça. Alors au-dessus, on va caser les toilettes, par contre, à 5 de hauteur. Là, bah ouais, justement, on va aller chercher les toilettes. Je les ai pas encore, c'est vrai. Ouais, il va falloir que je sépare les pièces. On va faire 2-2, je pense. Donc, vous voyez, c'est pas mal. C'est assez compact. Là, je peux mettre mes vis exosuites. Là, j'ai 16 duplicants. D'ailleurs, il va falloir que je switch ça. On va descendre l'eau. Par contre, ouais, il faut que j'ai des glingues ici, pas qu'elle aille se mélanger avec l'eau polluée. Rapide sur le jeu Vanillac, ça en est surprenant. Alors là, ouais, on va remarquer. Ah, là, moi sûr, je vais libérer là. Là, on va laisser passer, mais là aussi, de toute façon, ah, ça permet d'avoir une meilleure ventilation. Je suis con, j'aurais dû mettre transport, c'est pas grave. On va avoir un plombier, c'est toujours utile.
Là, si j'étais pas en mode succès, évidemment, j'aurais déjà mis en route des roseaux pour avoir de la laine, mais bon. Vous voyez l'intérêt de mettre une cuve ici, ça permet de pas souvent en fait on est emmerdé par le manque de ressources, par le manque d'eau. Alors que si j'ai une bouteille de 5 tonnes d'eau, eh bien on est quand même moins embêté. Ça diffuse quand même un peu l'oxygène à l'intérieur. Comme ça, là, on va pouvoir attaquer nos autres chambres. Il est rapide le bras. Voilà, les toilettes canalisées. On va faire pareil de l'autre côté. Ah, vous voyez, j'ai toujours un manque d'eau en fait ici. D'où l'intérêt d'avoir de la terre ici. Là, moi, c'est la terre, ça va vite. Et là, vous voyez toujours que sur l'eau, on galère. Alors, cette agriculture. Après, il est mécano, il est pas mal, hein. Sinon, trois forces de science. Je vais le prendre en mécano. Ça, pour l'instant, l'agriculture, ça sert à rien. Là, on est à 5. Hein. 5.
alors. On va essayer d'esquiver un minimum l'animal shit. Donc là, c'est bien là où j'ai un petit roseau là. Pour l'instant, on va le laisser en sauvage, parce que je peux pas le mettre en culture. Je vais mettre la filtration. Tiens, on va changer, on va mettre cela. Voilà, comme ça on aura 16 lits. Et on sera plus tranquille pour la suite. On va mettre une porte. Aussi de cuivre. J'ai quoi? J'ai une tonne, c'est ça? Ouais, c'est pas beaucoup. Hein.
Et alors ici. Il y a de l'oxydite, fait chier. Après, tu me diras, c'est pas gravissime. Au stack de trop, vous voyez toute cette eau que je n'aurais pas eu si je n'avais pas miné. Bah pour la suite des événements, ça va être bien utile. Et je voudrais faire pareil pour là. Alors attends, là on n'y a pas accès. Là, il y a un geyser par là dans ce bordel. Un peu plus tendu niveau calories là. Je vais pas tarder à mettre les électrolyseurs. Je vais galérer. Est-ce que j'ai accès alors? Ouais, mais t'inquiète, c'est normal. Je mets la pression sur les duplicants pour maximiser mes consommations de calories. C'est normal d'être comme ça sous tension en fait. Force, c'est pas mal. Peut-être plutôt en cuisine. Mais en même temps, 10 force que je prends en cuisine, non. Mauvaise pioche. Ouais, il y a 2 que je prends en cuisine. Ouais, je vais prendre lui, mais en cuistot. Si je le trouve cuisiné. Voilà, comme ça il va aider l'autre zigoto là.
Ah merde, ça m'a cassé le... Putain. Ah, il y a une espèce de vieux glitch là. Ça me fait une cascade de hécheurs. What the fuck? Putain, ce truc. Ça m'a niqué le... Ça m'a niqué la plante MDR. Bon, c'est pas grave. Ouf, d'ailleurs, il y a du monde là. Il y a du monde, il y a du monde. Oh, on va taper là-dedans, c'est pas grave. Putain, ça c'est la cascade de l'écheur, putain. C'est en train de me comprimer l'eau ici. Et en plus ça tient parce que là, vu que j'ai une grosse masse ici. Ah voilà, le geyser est juste là. Parce qu'avec les électros, ça part assez vite l'eau, donc il faut avoir un gros support entre les électros et les recherches. Plus les mush bars, ça l'eau se fait défoncer, donc faut très tôt en fait aller chercher là, beaucoup d'eau. Et pareil, sur le même principe, on déloque le geyser pour avoir l'eau qui est enclenchée. D'ailleurs, est-ce que j'irai pas à l'espace par là? Habituellement, je passe plutôt par... je suis peut-être un peu haut. Je passe plutôt par là habituellement, mais... Ouais, donc ça c'est de l'eau polluée contaminée à 30 degrés. Voilà, lui, il nettoie le biome. Je purge pas le CO2. De quoi? De la cascade? Oh non, ça va tenir. C'est bien, ça me fait une écheur gratos. Ça, là, on va se mettre. Attends, je suis con, j'ai pas mis les skins. Là, et puis là, je vais me mettre. Non, remarque, non, attends, je vais mettre les blancs plutôt ici. Et les bleus, on va les mettre à garder en bas. Dans la base, ouais, t'inquiète pas, c'est pas grave ça. Ah zut, là on n'y a pas accès. Enfin, l'eau n'est verrouillée. Là aussi. On va s'enchaîner les électros après. Alors là, c'est bien. Oui, je vais faire mon astuce ici, là. En plus, ça va me permettre d'avoir de l'eau pour les électros.
Alors, ok. Ouais, tiens, on va débloquer l'électro et puis le dessalinateur aussi. Il y a un geyser. Alors, ouais. Ah, bah ouais, ça a pété, de toute façon, là. La Escher, très bien. Lui, il est pas tout à fait débloqué. Si on nage un peu, là. Ça va, il n'est pas en pause, il n'est pas en surpression. Bonsoir, Léo Kahn. Vous voyez, l'astéroïde est tourné, en fait. Ça, il faudrait que j'aille déloquer aussi le... L'eau salée. Ah merde, donc c'est débordé. Ça c'est un peu chiant par contre. Un peu trop d'eau polluée. Donc c'est pas grave ici, mais... C'est bien fait débordé là. Et à droite aussi. Ah, de toute façon, je vais devoir taper dedans. Salut Pépito. Donc ouais, le fait de débloquer le... Dévoiler les geysers, ça les met en production en fait. Et vous voyez là par exemple, là, toute cette eau, bah, je l'aurais pas eu si je l'avais pas débloqué en fait. Ça c'est assez déterminant pour la suite. Alors là je me remplis la cuve et comme ça je vais avoir une grosse bouteille de 5 tonnes d'eau juste à côté de la machine. Comme ça, on livre très facilement le truc. Ouais, oui, mais là, je suis pas sur Space Out. Hein. J'aurais pas les radiations. Ah ouais, ça c'est sûr qu'on oublie vite les différences. Voilà, vous voyez pareil. Comme ça, lui, il est débloqué aussi. Il se met en prod. Non, oh, t'inquiète, t'inquiète. C'est normal.
9 machinerie, ouais, ça peut être pas mal. Ah, il est narco. En même temps, non, mais en même temps, c'est bien. D'ailleurs, je vais la prendre en. Ouais. Bon, ouais, c'est pas grave, tant pis. On va la mettre quand même en bricolage. Donc on continue la construction ici, voilà. Re-GRM. Opérer. Ok, on a désenclavé là, très bien. Ça, je vais devoir l'enlever. Non, ça va niveau flotte, ça va pour l'instant, mais ça va vite partir. Non, Parasiteur, on est sur le jeu de base en fait. Ah, j'ai pas les dalles isolées, merde. Donc là, vous allez voir l'astuce. Je casse ça. Et comme ça, là, vous voyez, je galère sur l'eau. Ouais, ça, c'était évident. À chaque fois, ils font que ça. Hein. Voilà, et là vous voyez comme ça, là j'ai 5 tonnes d'eau juste à côté de la machine. Et ça évite les allers-retours. Alors ouais, je voulais ça, je voulais. Bah ouais, c'est parfait. Tac. Faut que je débloque ça. On va faire autre chose en attendant. Non, pour la cuve de gaz, oui, mais pas pour la cuve d'eau. Donc, quand vous avez besoin de beaucoup d'eau pour ce genre de choses, bah, c'est très utile. Là, on va s'en mettre deux. Salut, Corentin. Ah bah c'est le même problème. C'est pour ça que mon autre partie je l'ai un peu laissé tomber parce que niveau FPS c'est l'enfer quoi. Voilà comme ça là il a de quoi s'exprimer le geyser. Et il y a encore un geyser d'eau. En plus, on a du roseau ici.
Et d'ailleurs, j'ai pas d'éleveur encore. Oui, l'eau, ça part vite. Hein. C'est pour ça que j'ai déloqué tous les... Putain, par contre, le polluer, c'est un peu chiant, mais bon. C'est pour ça que j'ai débloqué tous les geysers, parce que... Voilà, vous voyez 16 duplicants scotchés assez proches. S'ils y arrivent, ça nous rajouterait un peu de décor. Et je me lancerai bien. On va se lancer la machinerie aussi. La machinerie, la raffinerie, je veux dire. C'est tout pollué, on va la faire tomber ici. Donc je lance les trucs là. Super. Ouais, je me refais 5 tonnes d'eau, ça je vais l'enlever. Ouais, je vais pas raffiner là avec le micro mesher, avec le granulateur, c'est trop cher. C'est marrant, j'ai un truc de vert ici. J'avais jamais remarqué ça. Le truc con, c'est que ça me fait aussi une bouteille d'eau polluée parce que il y a un petit mélange là. Bon, l'avantage c'est que ça me le fait, me filtre, ça me filtre le gratos, mais bon. Voilà, et alors là j'ai le biome pétrole qui est juste là. Et l'autre geyser, il est où déjà? Il est peut-être plus bas en fait.
Je me souviens plus où il est. Salut Fabrice. Alors, niveau électro, je pars directement sur 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Alors, 6 pompes. Je vais le mettre là avec 3. Attends, faut que je mette un... J'essaye d'y centrer un minimum. Deux, trois, quatre, cinq, six. Ce sera pas parfaitement centré, mais ça fera l'affaire. Alors, exosuite, ça c'est pas mal. 3 forces, 3 cuisines en plus. Ouais, on va le prendre lui. En plus, il y a un peu d'élevage. Lui, on va le faire éleveur. Pas tarder, déjà 20h, je préfère un grosse session. Et je vous ferai la suite dans les prochains jours.
Là, on est au biome pétrole. Là, je vais libérer le Draco. Et là, ce qui est bien... Ah non, attends, ça c'est du... Ah non, fait chier, c'est du diamant. Je pensais que c'était du plomb. Voilà. Vous voyez, c'est que le 30, on peut déjà débloquer le succès en marque jaune du coup. Le succès de du biome de pétrole. Voilà, c'est le cas là du coup. Qu'est-ce que je vais prendre? Peut-être un peu d'automatisation. Voilà, on lui est. On va aller chercher les exos. Je sais pas si je filtre. Ouais, c'est clair. Ce que je fais pour y aller sans exosuite, c'est que je l'accède par le biome de... Tu vois, c'est fait exprès en fait. Ils ont mis un biome de glace à côté. Moi, perso, normalement, je casse ici. Et comme ça, le pétrole se refroidit avec la glace. Pour l'instant, je vais juste faire des stages basiques. D'ailleurs, délestage que j'aurais pu mettre là. Ouais, on va le mettre comme ça.
Alors, on va aller encore des recherches. Un nouveau capteur de lumière. Il est bien ce setup. Par contre, le problème, c'est quand vous avez des coupures d'eau, vous avez un peu d'hydrogène qui part dans les filtres. C'est des filtres mécaniques. Oui, mécaniques. Donc à la fois, on a une filtration architecturale. Donc là, en bas, on considère qu'on n'aura pas d'oxygène, qu'on n'aura pas d'hydrogène. Donc on ne filtre pas ces pompes. On ne filtre que celles-ci qui auront un mélange hydrogène-oxygène. Par sécurité, vous pouvez filtrer celles-ci aussi. Si vous n'êtes pas sûr de votre arrivée d'eau, ça peut être pas mal. Ceci. Voilà, je fais avec un gros câble, ça c'est plus simple. D'ailleurs, là comme ça, c'est pas plus mal. Comme ça, là, je vais mettre un. Alors, on se mettra un petit filtreur, comme ça, ici. Comme ça, on pourra bourriner l'eau polluée. Là, je vais avoir besoin d'un filtre au début. Fixer mes filtres mécaniques. Qu'est-ce que je fais? Ouais, on va quand même commencer les exosuites bien que. Non, je vais lui mettre du bricolage d'abord. Comme ça, il est encore plus vite sur ses recherches. Hydrogène. Là, il va me falloir un petit peu d'eau dans le circuit. Puis celle-là, c'est bizarre ça. Alors, de l'éleveur, ouais, je pense. Hein.
On est déjà à 14. Harry, il n'y a pas de chapeau, c'est bizarre ça. Ah oui, c'était le nouveau, ok. Ouais, ok, élevé. Agenda. Donc ça, on y met à 1 gramme seconde. Ça va plutôt être comme ça. Voir juste les tuyaux très vite fait. Alors ceci. C'est l'oxygène qui part ici. Et limite là, on peut peut-être presque faire pareil. Hein. Le plus chiant, c'est de remplir le filtre.
voyez, ça consomme tellement d'eau, ça c'est impressionnant. D'avoir une petite bouteille de 5 tonnes à côté, c'est bien pratique. Avec ça, on peut oxygéner 32 du piquant. Déjà, voilà, faut faire le plus chiant de mettre en place le filtre. En fait, ce câble, je peux le garder, je sais pas. Non. Ah, c'est bien, ils m'ont fait les papiers peints. Ah ouais, merde, j'ai patché la date avec le papier peint là en fait. Ok, là. C'est qu'on n'a pas de sable là. Ok, super. Comme ça, ils vont arrêter de pisser partout. Ça, c'est méga temporaire. JFK, juste 2 minutes. J'arrive.
Ok, attendez, c'est le bordel là. Qu'est-ce qu'on a en stock? Machinerie force, c'est pas mal. On va prendre de la machinerie. Désolé, vous allez entendre un peu ma bouffe. Moi aussi, je cuisine des mushbars. Alors. Et merde. Qu'est-ce qu'il m'a fait là? Alors, attends, lui, c'est normal. Par contre, lui. Ah oui, parce que j'ai pas lancé encore là. D'accord. Ah merde, il y a l'autre qui est coincé, c'est génial. Ah bah c'est bien, on est full au poli en bas comme ça moi. On est servi. Attendez, j'arrive. Ok, re. Ouais, en fait, ça, je suis con, j'aurais dû l'enlever. Laisse tomber, on va réinitialiser là, ça. Mais il faut aussi que mon électro, aussi que mes électro pump. Ah mais pourquoi ils mettent de l'oxygène à l'intérieur? C'est quoi ce bordel? C'est que est-ce qu'un jour il va me choper le guidon? Ah si, c'est bon, voilà, on a, voilà, le premier filtre qui est fait, ça c'est bien. Et ce que je peux faire, on va faire comme ça. Le plus chiant, c'est de monter les filtres, après c'est bon. Ok, voilà, le deuxième il est bon. Ok, mais ça paraît pas mal là.
va chercher ça, peu importe. Là, je pense qu'on est good. Donc, on peut enlever ça, enlever ça. Je vais peut-être quand même laisser un bidule ici. Voilà, ça. C'est ma conquille d'hydrogène. Donc, attends qu'on revoit un peu tout le schéma final. Donc là, on est comme ça. Ah non, on est là. Ça, on est là. Donc c'est pas grave, ça va, ça revient encore assez d'hydrogène. Voilà, et cette conduite, elle est ok. Il faut juste que je cut tout ça. Voilà, et ça c'est une sortie d'oxygène. Temporairement, on va faire comme ça. À ceci près que ça, il faut que je l'enlève. Toujours un peu le bordel, là on sait c'est top, mais après ça va. Là, vous voyez, voilà, j'ai une bonne filtration. Ouais, attends, avant de fermer là. Ok, on a torché le cavor. 400 000 calories. 100. Sans plantation, mais ça, c'est pas très dur. On a l'élevage. Là, je ne vais pas tarder à les manger. Là. Ouais, on va faire de la machinerie. J'ai re AFK, j'arrive.
carreux. Alors. Putain, c'est chiant que l'eau polluée soit tombée dans le. Dans la cuve. On a quand même 400 kg d'eau. Ah oui, bah j'essaye de rusher quand même. Hein. C'est le but. Et encore, je pourrais aller plus vite là. Je sais pas encore max, mais. Alors, 3 sciences, machinerie. Encore un mécano. Ouais, c'est pas terrible, terrible tout ça. Impassible. Bon, je vais prendre lui. Enfin, elle plutôt. Elle, on. Bah, tiens, le scientifique. Ça va me faire mon deuxième chercheur. Banni. Agenda, ça commence à être serré. Banni. Oula, oui, il y a du monde. Insee. Deux, quatre, six, Francky. Oh bah je vais mettre les deux ensemble. Steve. Quatre. Voilà. Normalement, là, on est bon. Là, l'hydrogène est chelou. Pourquoi ce restack là? C'est bizarre qu'il fasse ça là. J'espère que ce soit à cause de ça. Ah bah si. Oh bah dis donc, c'est bizarre ça. Ok. Ouais, donc c'est des petites bulles, c'est à cause du bug là, mais sinon ça, normalement là on n'aura pas de bulles. On est un peu en surpression. Mais voilà, en tout cas, voilà, le setup est mis en place. On optimisera la tuyauterie. Vous voyez, voilà, là c'est correctement filtré. On optimisera la tuyauterie au prochain stream. Voilà. Mais ça, là, maintenant, moi je suis tranquille niveau électrolyseur, j'ai plus besoin de m'en occuper.
Le setup sera optimisé au prochain cycle, au prochain stream, mais. Et voilà, et là, on va essayer que le carreau qu'il va falloir s'exciter sur les râteaux-pieds. Donc, ouais, on va s'arrêter là. Donc, là, prochain stream, ce qu'on fera, on ira dans l'espace. Ah, bah, en plus, c'est bien, j'ai dévoilé l'autre, parfait. Et vous voyez, 40 cycles, bah, mine de rien, si j'avais pas déloqué ça, eh ben, j'aurais perdu quand même. Là, on a 34 dalles. J'aurais perdu 33 tonnes d'eau. Voilà. Vous voyez l'avantage de vite déloquer ça. Ben là, ça me fait 33 tonnes d'eau en plus que par rapport à si j'avais attendu. Là, par contre, c'est con. Il faudra que je fasse gaffe, ce soit pas en surpression. Mais voilà, l'intérêt de débloquer rapidement vos geysers. Voilà, donc pour le prochain stream, on ira dans l'espace, on ira dans la surface. Je lancerai de l'acier, le pétrole, le plastique, les exosuites. Et il faudra que je commence carnivore. Après carnivore, je le fais en 20 cycles. Hein. Et de toute façon, j'ai pas encore mes 20 du piquant. Mais en 20 cycles, je le torche carnivore, donc c'est bon. Maximum, il faut que je le commence cycle 80. Donc ça va, on a large. Carnivore, je le maîtrise bien maintenant. Donc voilà. Et j'aime assez cette architecture. Si vous cherchez une architecture assez basique, assez compacte, ça marche assez bien. Là, après, j'aurai mes exosuites ici. Donc voilà, bah, sur ce, merci à tous. Merci à toutes d'avoir regardé le stream. Je vous souhaite une bonne soirée. Et je vous dis à bientôt. Salut.